vais répondre à Nathalie, puisque Nathalie vient de nous poser une question au sujet de la différence entre le chiite et le sunnite. Elle me demande, comme un historien, je lui dis, quelle différence, bon, puisque si les deux sont musulmans, quelle différence? C'est comme toutes les autres religions du monde, il y a catholiques, orthodoxes, protestants, et là aussi, vous avez des différentes idéologies sur certaines choses dans l'islam. Par exemple, vous savez, le chiite, il pense et il croit que le successeur légitime de Mahomet, ce n'était pas M. Abou Bakr, premier calife, c'était son gendre, c'est-à-dire le mari de sa fille, qui s'appelait M. Ali, Ali Baba, vous entendez beaucoup, Ali. Ali, surtout le site internet Ali Baba, vous le connaissez, c'est comme Amazon. Hein. Enfin, M. Ali, c'est le quatrième calife pour les sunnites, mais pour les chiites, c'est le premier leader, premier imam. On dit les autres, ils ne devaient pas prendre le pouvoir politique. Pourquoi? Puisque Mahomet, il avait choisi Ali, son gendre, comme son successeur. Ça, on avait déjà parlé. Il y en a presque cinq points de différence. Après, il y en a d'autres choses, c'est mariage provisoire. Le chiite, il pense qu'il peut se marier avec les femmes provisoirement. Il paye la somme et il peut limiter la durée de mariage pour une heure, un jour, une semaine, deux mois, un an. Mais le sunnite ne croit pas à ça. Ça, on s'appelle mot'a. Et mot'a, c'est-à-dire, il achète la femme, voilà. Ça, on ne le croit pas, les sunnites. C'est les chiites qui croient. Après, il y en a caché certaines idées. C'est-à-dire mentir et cacher. En arabe, il dit taqiyya. C'est-à-dire cacher. Ne dis pas la vérité à tout le monde. Alors, ça, il ne faut pas le dire, ça, il ne faut pas le dire, ça, tu peux le dire le contraire. Taqiyya aussi, c'est cacher certaines vérités. C'est l'histoire des chiites. Les sunnites ne croient pas à ça. Sur les amis très proches de prophètes et de l'islam, les amis très proches. Or, il dit, ses amis, pendant certains temps, il était fidèle à Mahomet, mais pendant certains temps, ils sont devenus l'ennemi de l'islam. On doit le combattre, on doit le frapper, on doit le tuer. Comme, par exemple, Muawiyah, comme Talha, Zubayr, c'était le personnage, surtout Talha et Zubayr, c'était les proches de Mahomet, que Mahomet, il les avait médaillés. Il les avait médaillés, même ces gens-là. Mais Ali, il a combattu ces gens-là, il a fait trois guerres, Ali, et il a tué même les camarades très fidèles de Mahomet. Alors ça aussi, c'est le chiite, et il dit, voilà, Ali, il a bien fait de tuer le proche de Mahomet, et surtout, il a fait la guerre contre la femme de Mahomet, Aïcha. Aïcha, c'était la femme de Mahomet, la fille d'Abou Bakr, et Ali, il a fait la guerre contre elle. Voilà, oui, il a pris comme prisonnier de la guerre. Après, cinquième point de différence entre chiites et sunnites, cette différence qui existe, qui ramène cette guerre-là que vous voyez depuis 14 siècles, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est les chiites, et ils croient que les 12 imams, ils sont des innocents. Des innocents. Ils ne font jamais de fautes. En arabe, qu'est-ce qu'on dit? On dit ma'soum. Vous avez les enfants, les filles qui s'appellent ma'souma. C'est-à-dire, il est propre. Il ne fait aucune faute. Il ne fait aucune erreur dans sa vie. Ma'souma, esmat, on dit. Mais les sunnites, ils disent non, c'est des hommes comme les autres. En plus, même il y a des critiques envers les imams de la part des sunnites. Hein, et surtout qu'ils ne sont pas reconnus comme leader, comme chef pour les sunnites, les 12 leaders, seulement un, Ali, il est reconnu comme quatrième calife, mais 11 d'autres personnes qui sont les descendants d'Ali, qui pour les chiites c'est sacré, et leur tombeau, ça se trouve en Irak, en Iran, à Mashhad, et la fille de Hossein, il se trouve en Syrie, parce que la Syrie aussi, il y a un lieu saint de chiites.
ces 12 imams qui sont innocents, propres, qui ne font pas de fautes, alors les sunnites ne croient pas. Les sunnites ils disent à tout le monde commis des fautes, etc. Mais oh, ils disent non, ces gens-là, ils ne font jamais des fautes. Mais pourtant, ils ont fait des fautes. Hein. Dans l'histoire, il y en a, c'est marqué. Voilà. Et ces cinq points, ces cinq éléments, pour répondre à Nathalie, qui diffèrent les sunnites, les chiites. Et pendant des années, il faut le dire aussi, ce chiisme, c'était un mouvement, on peut dire, révolutionnaire contre le pouvoir. Et dès le commencement de l'islam, les disciples d'Ali, le gendre de Mahomet, mari de Fatima c'est la fille de Mahomet, étaient presque toujours contre le pouvoir. Même je vous ai déjà parlé en Yémen, le patron, le leader des Houthis, c'était Zayd, cinquième descendant de Mahomet, quand on l'avait assassiné il y a déjà 1280 ans. C'était un révolutionnaire. Il voulait faire tomber le pouvoir des califes. On l'avait tué. Après cette histoire, ça continuait. C'est-à-dire les chiites, dans l'histoire, même à l'époque de Shah d'Iran en Iran, ou même en Syrie, en Liban, c'était des révolutionnaires. Par exemple, Moussa Sadr, c'était patron des chiites de Liban, il a été tué par Gaddafi. Les chiites, à part de ces cinq éléments que je vous ai dit, il y avait un autre différent que jamais ils n'acceptaient pas le pouvoir islamique en place. C'est pour ça, la plupart des gens, ils disent, même Arabie Saoudite, il a fait un feuilleton de 45 heures, et là-dedans, il dit que même le chiite, c'était fondé par les juifs pour casser l'islam. Abdullah ibn Sabah, il dit qu'Abdullah ibn Sabah, il est venu de Yémen, il y a déjà 1300 et quelques, pour créer ce mouvement contre l'islam. Ça existe parmi les sunnites, vous vous demandez, ils vont vous dire. Mais de l'autre côté aussi, on dit que le chiisme, c'est une branche de Zarathustra, puisque certaines idées de Zarathustra, vous le trouvez dedans. Par exemple, prendre le pouvoir politique fils après son père. C'est la monarchie persane. Dans la monarchie persane, le roi succède à son père. C'est-à-dire quand le père il est mort, c'est son fils qui devient le roi. Après, il y en a le 12 imam, c'est le 12 imshas pandan, le 12 ange de Zarathustra, c'est un chiffre sacré. Quand vous avez même les gens avec 7 imams, le chiffre 7 aussi, c'est sacré pour les Perses. Après, vous avez les bougies, que c'est le feu, adorer le feu. Après, vous avez le coupole dorée, pour ces gens-là, c'est le temple de feu. C'est-à-dire quand le coupole en Najaf, Karbala, Samarra, Mashhad, vous voyez des coupoles que c'est interdit chez les Wahhabites, c'est les chiites, c'est connu, mais chez les Wahhabites, quand quelqu'un il est mort, vous n'avez même pas le droit de monter de 2 cm sur son tombeau. Il fallait que ce soit terre plate. Mais les chiites, ils créent le temple de feu pour les chefs, pour les leaders de chiisme, on peut dire, voilà, ce que vous voyez dans la ville sainte chiite. C'est pour ça que pour les ayatollahs iraniens, le plus important c'était de conquérir l'Irak et conquérir la Syrie. Pour eux, c'était plus important que même la Mecque. Pourquoi? Puisque là, il y a le tombeau des chefs de chiites. J'espère que dans cette petite minute-là qu'on vient de donner ces explications, ça vous suffirait, puisque c'est vrai, vous étiez plusieurs personne de me demander de vous donner cette explication. Voilà, ça c'est l'histoire du chiisme en quelques minutes, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20.
08 92 23 95 20. Restez avec nous, mes chers amis, je vous embrasse. Nous sommes là tous les lundis sur 95 FM et chaque dernier samedi du mois. Et toute l'après-midi, de 14h à 17h, vous pouvez écouter ma fille Morgan sur cette fréquence 95.2 FM et surtout ici et maintenant.com. Tout ça, Aziz, bon, c'est pas ça, je m'en rassure. Je suis à l'école comme Kathiran Abgoumana.